Quand ça ne file pas droit, c'est sanction immédiate par des pompes. La relève du club de lutte de Célestat est formée à la dure par les lutteurs de l'équipe 1. Le plus compliqué pour ces formateurs, c'est de garder ses petites pouces concentrées sur le tapis de lutte. Voilà 5 ans que Sian s'investit pour les enfants du club parce que cette discipline a été pour lui une véritable école de la vie et qu'il a envie de le transmettre. Et quand on tire vers nous, on lève ce bras, on passe en dessous et on le descend au sol. Et on passe derrière. Ça, c'est 2 points. Alors, la plus belle récompense, c'est de voir les enfants s'épanouir, rigoler, se donner à fond. Et du coup, de prendre confiance en eux et de sourire tout simplement. Du coup, et de les voir un peu plus, on va dire, confiants envers eux-mêmes, marcher avec une certaine posture un peu plus sereine et avancer dans la vie grâce à la lutte qui est un très, très, très bon accompagnateur. Tout de suite derrière ton adversaire. Et la main entre les jambes, la main entre les jambes. Même si la lutte est transmise à ces jeunes pousses par le biais de jeux sur tapis, la discipline reste le maître mot de ses entraînements. À 36 ans, Jean-Fré n'a plus rien à prouver. Ce qui lui tient en revanche à cœur, c'est d'assurer la relève. Il y a 3 ans, le groupe enfant n'était composé que d'une petite dizaine de têtes. Il est aujourd'hui d'une trentaine de petits lutteurs âgés entre 6 et 12 ans. Si Chloé est la seule fille de cette soirée, elles sont en général 3 à lutter contre les garçons. En fait, la fille est plus réfléchie, quoi. Le garçon, il va être plus brut et la fille, elle va garder son calme et elle va être un peu plus maligne. Après, une fille, il faut l'encourager. Contrairement à un garçon, le garçon, il va y aller, il va avoir confiance en lui. La fille, il faut plus l'encourager pour qu'elle croie en elle. Parce que souvent, les filles sont meilleures que les garçons. La majorité des lutteurs célestadiens engagés aujourd'hui en Verbandsliga étaient formés au sein du club. Magomed Elkadjiaf, Michael Van de Waal, Eric Herzog, Alex Meyer ou même Jean Frey sont de purs produits du club. À terme, l'ambition est d'aligner une équipe jeune en championnat d'Allemagne.